suis hydrogéologue départemental même. Mes missions, ça passe par un volet de surveillance des aquifères, donc tout un réseau de mesures du niveau des nappes et de la qualité. Des stations réparties sur l'ensemble du département et sur l'ensemble des nappes d'eau souterraine utilisées. Il y a un volet aussi d'études. Régulièrement, des questions se posent, des questions nous sont remontées, soit via des exploitants d'eau potable ou des agriculteurs. Donc il y a régulièrement un besoin d'études sur certaines ressources en eau souterraine, certains secteurs du département. Ce que j'aime dans ce métier, c'est tous les multiples contacts qu'on peut avoir avec des partenaires qui peuvent être des administrations, des services de l'État, mais en tout cas des gens d'un peu tous les horizons, y compris des particuliers et des agriculteurs. Et ça donne un côté vraiment service public de l'eau souterraine qui est assez plaisant. Une journée, il n'y a pas vraiment de journée type, c'est où il y a plusieurs types de journées différents. Ça peut être une journée essentiellement sur le terrain, qui peut concerner la maintenance et la gestion du réseau départemental de mesures. Ça peut être également des déplacements pour des réunions ou des suivis de chantier ponctuellement. Ça peut très bien aussi rester toute la journée au bureau. Ce qui est nécessaire pour être hydrogéologue départemental, c'est avoir une connaissance de la géologie et de l'hydrogéologie, à laquelle il faut rajouter la connaissance du territoire, les spécificités géologiques et hydrogéologiques, les différents acteurs qui s'occupent du domaine de l'eau souterraine. Donc ce volet-là, il s'acquiert essentiellement sur le tas. Par l'expérience. Dans 10 ans, il y aura toujours besoin de gérer et de s'occuper des eaux souterraines et peut-être même de plus en plus. Donc les fonctions que j'occupe existeront toujours. Quelle forme elles prendront, on ne peut pas à 10 ans savoir exactement. Les eaux souterraines, elles sont dans notre département très, très nombreuses, très conséquentes. Il y a beaucoup de ressources. Mais évidemment, comme dans tous les secteurs et toutes les. En fonction des activités humaines, elles peuvent être un petit peu dégradées ou un peu trop exploitées. Donc globalement, elles vont bien, mais il y a quelques points qui donnent du travail.